Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous dans cette semaine, des messages qui pourraient ressortir, des impressions, des ressentis. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui vont correspondre, d'autres moins. On vous demande de prendre exclusivement ce qui vous appartient, c'est-à-dire ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous, tout simplement. Alors, je vais vous suggérer, évidemment, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement aller voir, prendre un autre point de vue de la situation, tout simplement. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. J'ai sorti une carte de tarot des anges gardiens ici, qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, comme ça pourrait effectivement aussi représenter un message qui vous est carrément adressé à vous personnellement, à vous de le prendre si ça appartient et si ça vous appartient, évidemment. Sinon, c'est une énergie globale à se servir aux besoins, en réconfort ou tout simplement peut-être pour comprendre certaines situations, pourquoi on vit certaines situations dans la semaine. D'accord? Et ensuite, on va continuer avec les portes magiques de l'univers, avec l'oracle des sept énergies et l'oracle E, en fait, de réalisation à faire au niveau de l'action. Alors, ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai mis deux cartes ici, comme vous voyez, avec deux réponses angéliques ici, pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, tout simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse, à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, de toute façon, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai exactement les modalités. OK? Pour le moment, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais à ceux aussi également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de me dire un coucou, un merci, un petit mot. C'est vraiment agréable de vous lire. Merci infiniment. C'est apprécié de voir ce que je lance dans l'univers me revient de cette façon-là. C'est très apprécié. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers mes amis Capricorne, nous allons maintenant débuter votre tirage de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Commençons avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Ou encore, ça peut être un message qui vous est adressé directement à vous de voir, si ça correspond ou pas. C'est parti. On vous dit le 6 de la prospérité. On vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. » Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, je pense qu'on vient vous assurer ici d'un certain support. Alors, prenez-les pour ce que c'est. Prenez-le aussi directement à vous, si ce message, comme je vous dis, s'adresse à vous. Vous êtes dans les démarches dans le moment pour, dans ce sens-là. Toujours est-il que c'est une belle carte je pense, ça vient nourrir, ça vient vous encourager, ça vient vous peut-être vous signaler certaines arrivées, certaines récoltes peut-être aussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. À vous de voir, on verra bien, veut dire, au courant du tirage, voir si ça nous amène des informations supplémentaires sur ce sujet-là. D'accord? C'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la fertilité des émotions. Un vent de liberté. Voyez ça? Les forces des rituels. Wow! La force des rituels. Oh, OK. Dans le ressenti, ici, on vous parle de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, votre ressenti ici. Comment vous vous voyez, vous, dans cette énergie-là, ici. Ensuite, dans le ressenti, qu'est-ce qu'on dit? On vous parle du wow! C'est une carte ici qui vous indique que comment je peux bien traduire ça? Le pouvoir du mouvement, c'est le résultat du mouvement que vous faites. On va y revenir un peu plus. C'est les gestes conscients que l'on fait pour justement sortir d'une situation ici. Au niveau du ressenti, ici, on parle de prendre une grande respiration. C'est une... on parle ici de garder la foi. On est avec le 7, de toute façon, on va y revenir. Commençons tout de suite avec la fertilité des émotions ici. On vous parle que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Ici, on est
C'est la façon qu'elle est imagée, cette carte-là, vous regardez ici. Bon, ça a l'air un peu morbide sur le coup. C'est votre cœur ici. Le cœur ici à laquelle veut dire tout part, il y a des fruits ici qui se sont... Il y a des racines qui ont été pris aussi. Il y a du feuillage ici. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on passe par à travers le cœur ici, prend racine à quelque part, prend essor, prend... C'est un petit peu ce qu'on voit ici. C'est pour ça qu'on vous dit que d'ailleurs que vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif, provoque le succès, évidemment. Tout ce que vous ressentez, tout ce, malgré les épreuves, malgré ce que vous ressentez au niveau des émotions, de vos ressentis ici, ça vient nourrir de façon positive, c'est-à-dire ce que vous désirez également. Autrement dit, c'est vous qui tenez le... C'est vous qui arrosez tout ça ici qui fait que ça grandit un peu, dans ce sens-là, OK? On parle ici d'ailleurs, comment je peux dire ça? Pour arriver, veut dire, à avoir à ce que vos émotions deviennent, veut dire, un facteur qui nourrit vos aspirations au lieu de les détruire ou de les freiner, il faut accepter une certaine vulnérabilité. C'est un petit peu ce que le ressenti vient vous dire ici. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce qu'on entreprend nécessairement, où on est à 150% sûr que les choses vont se dérouler comme on veut qu'ils se déroulent. Vous êtes d'accord avec moi? J'en suis sûr. Ici, on est conscient de nos forces et de nos vulnérabilités, même si parfois certaines vulnérabilités deviennent pour nous, ou deviennent, veut dire, dans l'action, veut dire, une force, parce que ça vous permet, certaines vulnérabilités, certaines émotions vous empêchent, je veux dire, d'avoir une conscience de robot ici. Donc, de ne pas avoir de sentiments, pas avoir d'empathie, de sympathie, etc., etc. Ici, on est, la vulnérabilité fait, veut dire que ça adoucit, veut dire, les gestes peut-être un peu plus raides, un peu plus drastiques, je devrais dire. Ça arrondit les coins, j'ai envie de vous dire, cette vulnérabilité-là. Donc, elle n'est pas à cracher dessus, au contraire. Elle vous fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, avec, une certaine force de caractère, mais vous avez aussi un certain côté, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez un côté nature et un côté sucré, on va dire de cette façon-là. Donc, comment je peux dire ça? On s'accepte dans cette vulnérabilité parce que c'est ce qui nous fait peut-être nous empêche d'être trop cynique, d'être trop dur, d'être trop... Comprenez-vous? C'est une facette de vous qui enrichit votre personnalité, j'ai envie de vous dire. Alors que ce n'est pas une faiblesse du tout. Peut-être que vous, parfois, vous vous trouvez que c'est une faiblesse, mais je pense que cette vulnérabilité vous a rendu plus souvent service que le contraire. OK? Donc, on est ici à se concentrer, veut dire que nos émotions, nos pensées deviennent des choses qui sont positives pour justement que ce qui arrive à nous vient positif. De toute façon, ici, dans la vulnérabilité que vous avez ici, c'est pas, ici, on se sent pas en danger. Parce qu'au contraire, on se sent entier, on s'accepte. Donc, veut dire, on n'essaie pas de la repousser, on n'essaie pas de la camoufler, on n'essaie pas de rien. On la prend comme étant, faisant partie de nous. Donc, au besoin, c'est un instrument comme un autre, c'est un sentiment comme un autre, c'est un outil comme un autre à vous servir au besoin, tout simplement. On n'est pas ici à essayer de se séparer en deux. OK? Au contraire, on forme un tout. On donne l'énergie, d'ailleurs, des émotions ici avec le chakra numéro 2. Chakra de « je ressens ». Lâchez du lest, les amis. Arrêtez d'être aussi sévère avec vous, j'ai envie de vous dire. Parce que vous êtes très... vous aimeriez être invulnérable, mais ça va vous couper de tout. Alors, voilà le 17. Qu'est-ce que ça dit ici? 17, on vous dit « lâchez du lest ». On vous dit « n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. » De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chic note, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Je voulais relire parce que j'ai l'impression que je me suis enfargé dans à peu près tous les mots. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chic note, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. C'est vraiment, je pense, moi, d'accepter certaines vulnérabilités vous rend plus puissant, j'ai envie de vous dire, vous rend plus fort, vous rend plus complet, j'ai envie de vous dire.
Donc, énergétiquement, ici, on est en mesure de se balancer, de se recentrer à face à ce que l'on ressent par rapport à la fertilité des émotions et le fait de, veut dire, de savoir, si on ne savait pas, de découvrir un certain côté vulnérable, même dans notre ressenti ici. On n'est pas totalement sûr à 150%, veut dire que tout ce qu'on ressent, veut dire, est vrai. Donc, on se sent vulnérable parfois parce que, oui, il y a eu des événements où on est tombé à côté ou proche, mais on est quand même tombé à côté. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on faut... C'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas une vérité de la palisse. Ça veut dire que notre ressenti peut se tromper aussi parce que, veut dire, on a préféré peut-être comprendre certaines choses ou interpréter certaines choses. C'est cette vulnérabilité qui ne vous empêchera pas, veut dire, de croire que vous avez un ressenti qui est fort, mais qu'il n'est pas nécessairement, invulnérable, j'ai envie de vous dire, de cette façon-là. OK? On va continuer ici, le vent de la liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Je pense qu'on vous ramène encore un petit peu dans cette sensation-là ici. Je pense que ça vous dérange un peu de vous sentir... aussi efficace, j'ai envie de vous dire, que vous aimeriez être. Mais je ne sais pas quelle carte qui nous l'a dit éventuellement dans un autre tirage qui disait que veut dire c'était pas c'est pas dans la vulnérabilité qu'est le problème, mais c'est de comprendre la vulnérabilité pour être en mesure de s'en servir, justement. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. D'ailleurs, la carte centrale de votre jeu, si vous la regardez, c'est une carte qui est très puissante. Il y a ici une carte, je ne sais pas si c'est la tour, un cavalier, ou c'est un jeu d'échecs, du moins. Il y a ici avec des ailes d'ange, évidemment. On est ici à... On a une autre pièce d'échec ici. On a la clé dans la serrure. On a la solution. On sait qu'est-ce qu'il faut. On sait quoi faire, j'ai envie de vous dire. OK? C'est un coup à jouer dans le moment. Vous avez une solution. Vous avez une façon de faire. Il y a quelque chose qui vous pousse dans votre ressenti. Vous savez comment faire. Vous savez tout. Mais on dirait qu'il y a... On dirait que c'est comme s'il y a un certain... Je ne dirais pas doute, parce que ce n'est même pas un doute. C'est comme s'il y a une dernière chose qui vous retient ici. Pourtant, on vous dit que vous êtes positif. C'est une action, c'est un effort à faire. C'est un geste qui est puissant à faire, qui est significatif, qui a une signification profonde. C'est un déclenchement. J'ai plutôt envie de vous dire que vous ouvrez une porte ici qui vous amène, veut dire, peut-être à répondre à certaines questions ici qui vous titillent ou qui viennent ici peut-être vous perturber à l'occasion. C'est une carte qui vous montre que dans vos ressentis ici, même s'il y a des choses peut-être qui ne sont pas nécessairement passées comme vous aviez pressenti, ou que vous avez ressenti, ou que vous pensiez avoir ressenti, vous êtes aperçu qu'il y a eu peut-être... Mais il y a une solution à ça. Il y a une clé qui est déjà dans la serrure. Vous avez déjà fait le geste de mettre la clé dans la serrure pour débloquer des choses, pour trouver une solution, pour ouvrir une autre porte, pour aller chercher plus loin, pour aller voir plus loin. Ici, on est juste devant la porte et on attend de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on donne le dernier coup de clé et on ouvre la porte? Ou alors, vas-y, on est toujours là en train de demander si on y va ou on n'y va pas. On est dans cette sensation-là ici parce que on ne sent pas aussi fort, on n'arrive pas à accepter, veut dire qu'on a quelque part une certaine vulnérabilité. Et c'est ce qu'il va falloir passer à travers pour arriver justement ici à être en mesure de ne pas avoir peur d'ouvrir la porte. Il y a un coup à jouer ici dans votre vie. Vous avez ici deux pièces d'échecs. Du jeu d'échecs, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses à mettre en place. Il y a une tactique, il y a quelque chose qui vient à mettre effectivement dans votre... Ça déborde évidemment sur toute votre semaine. Mais il va falloir un petit peu d'esprit, un petit peu plus, moins dans les émotions, je vous dirais, plus dans l'observation, plus dans le ressenti, effectivement, plus dans étudier les choses. Ressentir, étudier, voir un petit peu ce qui se passe. Aller au-delà, veut dire, de la première couche qu'on voit, là. Aller au-delà de ça.
pour comprendre, pour peut-être comprendre pourquoi vous attendez avant de, d'ouvrir la porte. Allez voir ce que le E nous dit ici. Toc, toc, toc. Ça vient cogner à la porte ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? 14. Toc, toc, toc. On vous dit non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messages divins. Peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. On est vraiment dans cet état d'esprit, comme je vous dis. C'est comme si vous vous reteniez vous-même d'aller au-delà. Parce que vous ne vous sentez pas armé, vous ne vous sentez pas assez... Il y a assez d'explications, vous n'avez pas tout compris. Il y a une hésitation ici. Une hésitation, mais qui est basée sur ce que vous, votre vulnérabilité. Alors qu'on vous dit depuis le début, je vous dis depuis le début, que ce n'est pas une c'est une vulnérabilité qui devient une force, qui vous empêche d'être comme un robot, d'être sans émotion, d'être sans empathie, sympathie, sans amour, etc., etc. Ici, on est dans la force de l'action. C'est pour ça que ça vient, cette carte-là vient perturber un peu votre champ énergétique, j'ai envie de vous dire, dans le sens qu'on voudrait être Superman ici, Superwoman ici. On veut être ici un héros, on veut notre vie, remarquez, mais on veut être quelqu'un de plus fort que les autres, comprenez-vous? On veut ne pas être vulnérable à ce qui nous arrive. On ne veut pas être blessé. On ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est ce qui vous fait grandir. C'est ce qui vous fait aller chercher des réponses. C'est ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous fait réfléchir. C'est ce qui vous fait aimer. C'est ce qui vous fait... Alors, cette vulnérabilité, elle est nécessaire dans votre équilibre. C'est ce que le TikTok vous dit. Ouvre ta porte, tu vas comprendre. Ouvre la porte. Tu fais tourner la clé. Tu vas voir que c'est plus une vulnérabilité. Ça vient plus. Ça n'a plus la même signification dans ce jeu avec les deux pièces d'échecs. Ça vous permet d'être moins intransigeant, donc de vous ouvrir à certaines possibilités. OK? On va continuer la force des rituels ici. C'est toujours dans votre état d'esprit. On vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est justement ce qu'on vous dit, hein? Vous êtes vraiment dans un état d'esprit ici pour... Je pense que vous êtes très conscient que vous êtes à une étape ici dans votre vie ou dans votre cheminement. Mettez-le comme vous voulez. Je pense que dans votre tête, vous êtes très conscient. C'est peut-être vous qui l'avez appelé aussi, remarquez, parce qu'il y a quand même des rituels en arrière de ça, donc il y a eu des demandes. C'est comme si, comme je vous dis, vous vous laissez peut-être enfarger. Vous vous enfarchez peut-être dans les... vous mêlez les pinceaux un peu dans peut-être... dans pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. C'est plus au niveau de la pensée ici qu'on s'arrête, qu'on se sent freiné, que vraiment dans l'action. C'est un petit peu dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez surtout, plus que ressentir, parce que le ressenti vous pousse à ouvrir certaines portes. C'est un dilemme, je pense, que vous vivez dans le moment. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Il n'y a pas 36 000 façons ici. D'ailleurs, la carte vous dit, on vous dit de garder la foi. Gardez la foi. Gardez la foi en vous, c'est garder la foi en votre force. Gardez la foi, veut dire, en vos ressentis, même si parfois veut dire, ils se trompent. Hein? Il faut accepter, veut dire qu'on soit humain. On vous demande de prendre une grande respiration ici. On vous demande ici de reprendre vos esprits, de reprendre, veut dire, votre chemin sans trop, veut dire, à chercher, veut dire... À la virgule près, dans la peur de ne pas vous tromper, veut dire, mais toute ce brouhaha que vous vous imposez, puis je dis bien vous vous imposez, parce qu'il n'y a personne qui vient vous questionner, mais c'est vous-même. Une question n'attend pas l'autre, tellement, veut dire, on veut tellement avoir de réponses pour être sûr que ce que le prochain pas qu'on va faire, on ne se trompera pas, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que le ressenti existe, c'est pour ça que vous avez un état d'esprit, c'est pour ça que vous avez un raisonnement, c'est pour ça que ça n'existe pas de ne pas se tromper. D'ailleurs, si vous ne vous trompez jamais, vous seriez toujours au même point. Il n'y aurait aucun intérêt, veut dire, à faire des recherches, à essayer de comprendre des pourquoi du comment, ou à comprendre... Vous venez de couper, veut dire, le fil, le cordon qui vous maintient, veut dire, au monde.
en ne voulant pas vivre des expériences. C'est ce qui enrichit, c'est ce qui enrichit la personnalité, c'est ce qui vous enrichit. Je ne parle pas d'argent, mais je parle de tous vos ressentis intérieurs de vous qui fait que vous devenez un être, veut dire, qui est en mesure, veut dire, de gérer ce qui vient à lui, veut dire, de façon la plus spirituelle possible, j'ai envie de vous dire. C'est donc... Ici, c'est garder la foi. C'est le... Autant, veut dire, du côté vulnérable qu'autant qu'on vous pousse, veut dire, à mettre vos pions en place pour justement aller dans la direction que vous voulez, d'ouvrir la porte pour justement avoir des réponses, veut dire, à certaines questions, au lieu d'essayer de répondre par d'autres façons, par vos ressentis, par... On cogne à la porte ici. Il y a un toc-toc-toc ici, là. C'est sûr qu'il n'y a personne que d'autres qui va pouvoir décider qu'est-ce que vous allez faire. C'est écrit d'avance. Mais prenez conscience que si ça vous prend un moment, on va dire, de réflexion, un moment de prendre une grande respiration, de comprendre peut-être, parce qu'on est poussé, veut dire, à l'action, dans le ressenti, même on est poussé. Ici, on est dans le premier chakra, on va dire, pas du nombril, mais du coccyx. Donc, on est à la racine. On est un peu tiraillé, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens le plus, que je peux décrire le mot. C'est, je pense que tiraillé, veut dire, est le bon... On est dans cette sensation de vague un petit peu. Mettons que la mer n'est pas tranquille ici. OK? On suit un peu le... Il y a du remous un peu, là. Mais c'est votre foi. C'est votre foi en vous, foi en ce que vous pouvez faire, en vos moyens, j'ai envie de vous dire, qui... vont pousser à passer à travers cette légère... parce que c'est une période, hein, c'est une période d'interrogation. C'est une période... Je pense que vous avez peut-être été dernièrement, peut-être votre ressenti vous a peut-être mis dans une situation où ça vous a peut-être mis... Il y a eu comme un brusque rappel, veut dire, de réalité ici. Et c'est peut-être ce sentiment-là qui est un petit peu difficile, veut dire, à dépasser, dans le sens qu'on ne veut pas revivre ça. Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question où on s'est vraiment senti blessé? Est-ce qu'on a mal évolué nos chances? Et pour les raisons que vous voulez, c'est une expérience de vie. Il faut le voir de cette façon-là. Et vous allez faire comme tout le monde. Vous allez finir par passer à travers, vous dire, pour passer à autre chose. On travaille tous dans ce même sens, ne vous inquiétez pas. Il y a des leçons qui sont plus dures que d'autres à prendre parce qu'on met de la résistance. Résistance avec ce qu'on a à l'intérieur de nous qui vient frapper, veut dire, un mur. On va le dire de cette façon-là, mais ici, ce n'est pas ce que je sens. Je pense que c'est plus... C'est bizarre parce que c'est plus, je dirais, vous remettez plus en question vos ressentis que d'autres choses. Votre tête, veut dire, ça semble être très, très clair, très facile, très, très cartésien, n'est-ce pas? Quand on tombe, veut dire, à ce qui peut être ressenti, ce qui peut être imagination, ce qui peut être intuition, et là, c'est plus difficile. Là, on est moins sûr de nous, on est moins certain, veut dire, de notre force là-dedans. C'est notre vulnérabilité, mais vous en avez besoin pour nourrir, pour mettre en action ce que vous pensez ici. Vous avez besoin de votre ressenti. Vous ne pouvez pas, veut dire, vous en passer. Il y aurait un manque d'équilibre ici, il y aurait un manque d'harmonie. Mais ici, on est un peu... Ce n'est pas tellement, veut dire, qu'on est totalement en désaccord, mais on ne veut pas se fier juste à notre ressenti, alors qu'on ne vous demande pas de vous fier uniquement à votre ressenti. Peut-être que si vous ouvrez la porte, vous allez comprendre peut-être autre chose, d'une autre façon. Ça, tout seul, ce n'est pas bon. Ça, ensemble, ça fonctionne en équilibre. C'est bon. C'est l'équilibre qui va faire que vous êtes en mesure, veut dire, d'affronter ce qui vient à vous, mais de la meilleure façon. Et il faut aussi accepter d'avoir une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire, ah non, on s'est trompé. Comme si c'était la fin du monde. Il n'y a pas d'examen à gagner dans cette course ou dans ce chemin de vie qu'on se dessine ou qu'on se donne comme mandat de faire pour avoir le mieux. Il n'y a même pas de livre d'instruction. Il y en a beaucoup, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de méthode. Ici, on vous demande de garder la foi. En vous. Pas la foi en Jésus, en Dieu, en Bouddha, peu importe. C'est en vous. En vous que vous avez ce qu'il faut pour affronter ce qui arrive, vous arrive. En toute harmonie. En toute confiance. On peut être paniqué sur un moment, on prend une grande respiration. On garde la foi, on sait qu'on est capable. On sait. Ça, c'est pour arriver, veut dire, à comprendre, veut dire,
que cette vulnérabilité, elle est là, mais que vous avez aussi une grande force. Ouvrez la porte, vous verrez bien ce qu'il y a en arrière. On va voir ce que le E nous dit. On vous dit présent. Oh, qu'est-ce qu'on vous dire ici, présent? 51. Vous semblerez que vous êtes appelé au parloir ici. 51, présent. On vous dit, on ne parle que de ça, et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tous les biens que cela vous procure. Pour ça, il va falloir ouvrir la porte. Présent. À vous de savoir si vous sautez le pas ou pas, si vous acceptez, vous dire que vous n'avez pas toujours raison, que même si vous êtes la personne la plus spirituelle au monde, que ça se peut que vous vous trompiez, que vous aviez mal évalué ou mal ressenti les choses, peu importe la raison, en réalité, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de prix à gagner, à savoir que vous êtes le meilleur de la catégorie. Non, pas du tout. Il n'y a rien de ça, désolé de vous décevoir. C'est peut-être face à vous-même aussi que vous vous donniez ce défi-là, mais à un moment donné, il va falloir temporiser. Il va falloir se rendre à l'évidence qu'il n'y a aucun avantage, je veux dire, à se compétitionner soi-même dans cette histoire-là. À vous de voir si ça correspond, mais chose certaine, je pense qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. La journée, vous allez décider d'ouvrir cette belle boule-là. Qui vous parle de jeu, qui vous parle de tactique, qui vous parle de façon de faire les choses, de très compétitive, etc., etc. Ça peut être aussi une question de perspicacité aussi. Ça peut être lié à travers les échecs. Mais c'est peut-être votre façon d'aborder les choses aussi qui fait que, justement, vous n'êtes pas 100% parce que ce n'est pas quelque chose de concret, hein, le ressenti. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement toucher. C'est quelque chose qu'on ressent, une sensation qu'on a à l'intérieur de nous, une image, un mot, peu importe comment ça arrive à vous, une voix. On le ressent différemment à chaque fois. À vous de voir comment ça vient vous chercher, mais chose certaine, il va falloir que vous décidiez, parce que là, vous êtes en train d'essayer de vous essayez de compenser, mais ça ne fonctionne pas nécessairement bien. Vous sentez très bien que c'est pas du tout la solution, mais je pense que vous retardez volontairement, peut-être, ou inconsciemment ou consciemment, les choses pour pas avoir. C'est comme si vous attendiez de plus avoir le choix. Vous essayez, je pense, toutes sortes de choses avant d'arriver à dire, ben là, j'ai tout essayé, j'ai pas le choix de tourner la clé. J'ai cette sensation-là que vous voulez pas nécessairement passer par ça. Vous avez ce ressenti assez fort pour vous savoir qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que vous changiez quand vous allez ouvrir la porte ou comprendre quelque chose qui va faire que vous allez amorcer certains, peut-être, changements de la façon que vous vivez. Et vous êtes un petit peu stressé à l'idée de changer certaines pour vous qui sont des valeurs qui sont très ancrées dans votre réalité. C'est comme si on venait chambranler un petit peu vos piliers ici, avec cette carte-là, et vous le sentez, ça. Comment je peux dire ça? On vient de donner j'ai l'impression qu'on vient un petit peu... J'ai l'expression ici comment je pourrais dire ça? Question qu'on vient, on vient de mettre, veut dire, une. On vient de lancer une roche dans votre mort. Il y a cette sensation-là. Et c'est ça peut être déstabilisant, je le comprends. Mais ça annonce, c'est un message aussi qu'il y a quelque chose, je veux dire, qui peut-être que ça fait écho à ce point-là, c'est parce que la roche, elle atteint quelque chose. Là. OK? À vous de voir si ça correspond, évidemment. Mais je dirais, c'est dans un bon sens pour justement passer à l'autre, la prochaine étape. C'est un petit peu ce que vous essayez de retenir. Là. OK? C'est un beau jeu parce que ça met, moi je trouve, ça met évidemment le doigt sur le bobo. En tout cas, j'ai cette impression-là, moi, que c'est. Parce que dans votre tête, vous êtes, comme je dirais, plus près, j'ai envie de vous dire, que votre ressenti. Plus près dans votre tête à vouloir faire des changements que dans votre ressenti de dire que c'est je me fie à mon ressenti et j'avance. Je fais le pas qu'il faut pour faire bouger les choses.
C'est drôle comme sensation, je dirais. Il y a un certain déséquilibre, je dirais, à ce niveau-là, entre ce qu'on en pense et la façon qu'on veut le faire. Mais il y a un passage obligé ici pour arriver, je veux dire, à passer la prochaine étape. On va prendre un crayon, d'ailleurs, je vais le marquer. Ça va être le titre de votre guidance, un passage obligé. Je peux pas le dire autrement. Je pense que ça résume bien ce que je ressens. D'ailleurs, je savais juste un petit peu avant, on va lire la carte, qui vous dit le 6 de la prospérité. On vous dit ici, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, si vous avez besoin, évidemment, c'est dans votre possibilité également. Alors, chers amis, on va passer maintenant à votre deuxième partie. Réponse à deux de vos questions, évidemment, avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis ici un lapis-lazuli et j'ai mis une turquoise ici pour différencier les cartes pour vos deux questions. Alors, toujours la même modalité de bien poser des questions qui sont directes, sans option de choix, évidemment. C'est une question très basique, une réponse très basique, très nette, j'ai envie de vous dire. Pas basique, mais plutôt nette. Ici, il n'y a pas d'explication. Ici, on n'est pas en train de faire de la dentelle dans la réponse. OK? Vous allez le comprendre assez vite. De toute façon, je vais vous demander si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont fait leur choix, je vous donne quand même une seconde supplémentaire pour valider vos choix. Également, s'il y a des changements à faire, à vous de le faire pendant ces 10 secondes. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est n'arrêtez pas. Apparemment, vous êtes dans la bonne direction. N'arrêtez pas. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du mois de juin ici. C'est quand même pas pire. On est pratiquement au début du mois d'avril ici. Avril, mai, juin, deux mois. Mettez-le en correspondance avec votre question, évidemment. Au niveau de la turquoise, la carte ici, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait, veut dire, dans le bon chemin, selon ce que la carte nous amène ici. Mettez-le, évidemment, en relation avec votre question, toujours. Et au niveau du temps, on vous dit de 7 mois. Sûrement des explications ou une compréhension qui va venir pourquoi dans le 7 mois ici, pour le pourquoi ce n'était pas la bonne direction. D'ici 7 mois, est-ce qu'il y aura autre chose qui va arriver qui va vous peut-être beaucoup plus adéquat? C'est bien possible aussi, pour voir d'une façon positive. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'ose espérer que j'ai pu apporter certaines informations, certains éclaircissements à vos ressentis, peut-être à savoir comment... Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler directement pour passer à autre chose? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est une semaine qui semble être un combat entre vous et vous. Entre votre raisonnement, j'ai envie de vous dire, en votre côté très logique, très logique, on va dire de cette façon, et votre côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus émotif, beaucoup plus créatif ici. On est un petit peu tiraillé. Je ne dis pas qu'on est à l'extrême ici, mais on est un peu nos deux petites voix qui nous disent, un qui dit oui, un qui dit non. On reste un peu dans l'indécision, tout en se disant qu'on n'est pas nécessairement dans l'indécision. Vous comprenez-vous, on est un petit peu dans cette marasse-là un peu dans la semaine, mais ça se déclenche. Évidemment, la journée où vous déciderez que vous déclenchez, c'est vous qui tenez la main au côté du bouton. Hein. C'est pas, il n'y a personne d'autre que vous. C'est votre libre-arbitre qui va simplement vous inciter à prendre, veux dire, la décision qui vous appartient, tout simplement, qui est juste pour vous. D'accord? Alors, chers amis Capricorne, je vais vous souhaiter, moi, une semaine pleine d'amour, de santé, de rire. Aussi, amusez-vous à travers tout ça. On n'est pas cassé des cailloux ici. Toujours est-il que c'est... Mettre un peu de légèreté, peut-être que ça va vous éclaircir l'esprit aussi, de prendre un petit peu les choses un peu plus dans un certain degré.
Avec un certain degré, mais je dirais à la limite de dérision, parce qu'il faut rire de nous aussi un petit peu à travers la façon qu'on réagit parfois à certaines choses qui viennent à nous. Toujours est-il que je vais souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous. Alors, chers amis Capricorne, bonne semaine à vous. Au revoir. À la prochaine.